Добрый день, друзья! У нас с вами сегодня текст. Этот текст относится к 8-му уроку нашего онлайн-курса французского языка для подростков. Я сначала прочту его в среднем ритме, далее по строчкам и потом совсем быстро. Вторым этапом также будет перевод мой на русский язык, чтобы вы понимали, как вообще этот текст построен. Начинаю. Ma journée commence normalement à 7h du matin. Je me réveille avec un réveil. Je passe un quart d'heure dans le lit, puis je me lève et je vais dans la salle de bain. Je me lave et je me brosse les dents. Après, je vais à la cuisine pour le petit déjeuner. En Russie, le petit déjeuner est plus grand qu'en France. Je m'habille pour l'école et je me prépare à partir. Les cours commencent à 8h30. Je suis à l'école à 8h15. À midi, je déjeune à l'école. Après les cours, je rentre de l'école à 3h de l'après-midi. Je m'occupe de mon petit chien et je joue avec mon chat. À 7h du soir, mes parents rentrent. Et nous dînons ensemble. Après le dîner, nous regardons un film et nous jouons à un jeu. À 9h30 du soir, je suis déjà fatiguée. La journée est longue. Je me couche. Je suis très heureux. Et voilà. Перевожу. Мой день начинается обычно в 7 часов утра. Я меня бужу, то есть я просыпаюсь с будильником. Я провожу четверть часа в кровати. Далее я меня поднимаю, то есть я встаю и иду в ванную. Я меня мою, я умываюсь, и я мне чищу зубы. После я иду в кухню на завтрак, дословно для завтрака. В России... И смотрите, сокращение «le petit déjeuner» часто говорят «le petit déjeuner». В России часто завтрак более большой, то есть больше, чем во Франции. Действительно, во Франции могут выпить кофе и съесть один круассан. А в России обычно мы достаточно много едим, и у нас многие говорят, что завтрак должен быть таким достаточно плотным. Дальше. Далее я меня одеваю, то есть я одеваюсь для школы, и я готовлюсь уйти, уехать, выйти. Я меня готовлю к выходу. Уроки, занятия начинаются в 8:30. Я в школе в 8:15. В полдень я обедаю в школе. После уроков я возвращаюсь, вот могу возвращаться, из школы в 3 часа после полудня, то есть в 3 часа дня. Я занимаюсь, я меня занимаю, то есть я занимаюсь моим щеночком, маленькая собака – это щеночек, и я играю с моим котом. В 7 часов вечера мои родители возвращаются, и мы ужинаем вместе. После ужина мы смотрим какой-нибудь фильм или играем в какую-нибудь игру. В 9:30 вечера я уже усталый и уставший мальчик. День длинный. Я ложусь, я счастлив. Теперь по строчке читаем, вы за мной повторяете. Ma journée commence normalement à 7h du matin. Je me réveille avec un réveil. Je passe un quart d'heure dans le lit. Puis je me lève et je vais dans la salle de bain. Je me lave et je me brosse les dents. Après, je vais à la cuisine pour le petit déjeuner. En Russie, le petit déj est plus grand qu'en France. Puis je m'habille
pour l'école. Et je me prépare à partir. Les cours commencent à 8h30. Je suis à l'école à 8h15. À midi, je déjeune à l'école. Après les cours, je rentre de l'école à 3h de l'après-midi. Je m'occupe de mon petit chien et je joue avec mon chat. À 7h du soir, mes parents rentrent et nous dînons ensemble. Après le dîner, nous regardons un film ou nous jouons à un jeu. À 9h30 du soir, je suis déjà fatiguée. La journée est longue. Je me couche. Je suis très heureux. Et voilà. Теперь читаю весь текст достаточно быстро. Не смотрите его, попытайтесь все понять со слуха. On y va. Ma journée commence à 7h du matin. Je me réveille avec un réveil. Je passe un quart d'heure dans le lit. Puis je me lève et je vais dans la salle de bain. Je me lave et je me brosse les dents. Après, je vais à la cuisine pour le petit déjeuner. En Russie, le petit déj est plus grand qu'en France. Puis, je m'habille pour l'école et je me prépare à partir. Les cours commencent à 8h30. Je suis à l'école à 8h15. À midi, je déjeune à l'école. Après les cours, je rentre de l'école à 3h de l'après-midi. Je m'occupe de mon chien et je joue avec mon chat. À 7h du soir, mes parents rentrent et nous dînons ensemble. Après le dîner, nous regardons un film ou nous jouons à un jeu. À 9h30 du soir, je suis déjà fatiguée. La journée est longue. Je me couche. Je suis très heureux. Et voilà. Et это все. Желаю вам хорошего дня. До скорого. Au revoir.